Il y a évidemment beaucoup d'émotions. Il y a la deuxième place, il y a cette victoire en jouant à 10 contre l'OM. Qu'est-ce que vous ressentez là à l'instant présent? C'est beau ce qu'on a fait. Je pense qu'on fait une très grosse première mi-temps déjà. Que ce soit dans l'intensité, dans l'engagement, je pense qu'on doit mettre un but déjà en première mi-temps. On redémarre très bien. Il y a ce carton rouge qui nous fait un peu mal. On se dit que voilà, on se met en bloc et il va nous en rester une voire deux. On en a eu deux ou trois. On a réussi à marquer à la fin, mais c'est vraiment beau et je pense que c'est largement mérité ce soir. Un mot sur l'état d'esprit. Pendant le match en seconde période, après l'expulsion, justement, Bruno Grugy, l'un des adjoints, nous dit on est à 10, mais on va quand même essayer d'aller chercher la victoire. Ça dit quelque chose quand même sur l'état d'esprit de ce groupe. Bien sûr qu'on veut aller, on veut aller chercher quelque chose de grand. Malgré qu'on soit à 10 contre 11, on a vu qu'on a pu les gêner, qu'on a pu aller de l'avant, qu'on a continué à presser quand même. Donc oui, après c'est le mental qui fait les choses. Les jambes, on a vu, elles sont un peu lourdes. Mais voilà, c'est le mental qui a fait qu'on a pu récupérer une balle dans les 20 mètres adverses et marquer à la fin. Quelque chose de grand maintenant, on est obligé de le dire. Ça peut être le podium, ça peut être la Ligue des Champions. Vous êtes deuxième quand même. Donc là, ça va être difficile de se cacher maintenant. Déjà, on avait dit qu'à 38 points, le maintien était acquis. On a passé les 38. Voilà, on avait 37, on a 40. Ah non, vous n'allez pas me faire le coup du maintien. Non, ben, bien sûr que maintenant on va se fixer d'autres ambitions, de belles ambitions, je pense. On va aller étape par étape, comme on le fait toujours. Mais c'est vrai que quand on est deuxième fin février, bon, on peut plus trop se cacher, on va dire. Merci beaucoup. Merci. C'est évidemment très très dur ce résultat, il y avait un coup à faire ce soir, d'autant que vous avez joué une bonne partie du match à 11 contre 10, quel est votre sentiment? Oui, comme vous l'avez dit, on avait un grand coup à jouer, malheureusement on a perdu, c'est un coup très difficile pour la tête. Qu'est-ce qui vous a manqué ce soir? Je pense qu'il nous a manqué de qualité dans les 30 derniers mètres, de pouvoir jouer au sol et d'arriver dans les derniers mètres et pouvoir être vraiment dangereux devant le but brestois. On sait que votre coach parle souvent de la mentalité, de l'état d'esprit. Pour vous, ce soir, il était là, l'état d'esprit? Oui, j'ai rien à reprocher à la mentalité. On a tout donné. On a essayé de gagner les duels. On a essayé de jouer vers l'avant. Et voilà, là, on est dans une mauvaise passe. C'est difficile. Merci.